Alain Côté. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, toi-même? Oui, ça va très bien. Un gros match ce soir contre, cet après-midi plutôt, contre Thetford Mines. Un match revanche que vous avez perdu le match précédent 4-4. À quoi tu t'attends de ce match-là? Ouais, c'est sûr que contre Thetford Mines, c'est toujours des matchs qui sont intenses. Il y a beaucoup d'animosité entre les deux équipes. Il y a une certaine rivalité depuis plusieurs années. On a tout le temps joué, que ce soit nous qui les pognes en série, qu'on les sort. L'an passé, c'est eux qui nous ont sortis en série éliminatoire. Fait qu'avec Bobby Barry et sa troupe, il y a toujours eu une grosse rivalité. Fait qu'on s'attend encore à rien de moins aujourd'hui. OK. Moi, je voulais savoir, vous savez, quand vous avez gagné le championnat de la Ligue il y a deux ans? Oui. C'était pas la coupe, mais le championnat. Le championnat de la Ligue, oui. Ouais, étais-tu entraîneur avec ouais. Les Bisons? Oui. Entraîneur avec les Bisons, effectivement, oui. Ça fait 4 ans que je suis à Trois-Rivières. Vous avez quand même une superbe équipe, hein? Encore une fois, là, aujourd'hui, on a l'acquisition, dans le fond, d'un nouveau joueur qui vient de revenir au jeu pour nous aujourd'hui, là, Jean-François David, qui est un défenseur fiable, un défenseur de qualité, là, qui se rajoute à notre formation là, à partir d'aujourd'hui. C'est-tu un défenseur à caractère défensif ou offensif? Jeff peut jouer à toutes les sauces, que ce soit offensivement ou défensivement. Très bon en avantage numérique comme en désavantage numérique. Fait que pour nous, là, c'est le genre de défenseur qu'on voulait aller chercher là, au cours de la période de transaction. OK. Est-ce que vous avez Frank Lessard d'habiller ce soir? Frank Lessard est là, Chris Cloutier, Boutin-Gagnon, toute la famille est là. Fugère aussi? Fugère aussi. OK. Alors, je vais conclure mon entrevue là-dessus, puis je vais vous souhaiter un super bon match. Merci, bon match. Merci beaucoup, M. Côté. Merci. Merci. Merci.